Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddy dans 78, j'espère que vous aimez bien, je suis patate. Et oui, ça y est, nous y sommes dans la PES Ligue 1, comme je vous l'avais promis. Je tiens quand même à vous montrer au niveau des bases de données, au niveau de la fin de la compétition, au classement, voilà, vous retrouvez bien évidemment toutes les équipes que je vous ai citées lors de la dernière vidéo. Donc voilà. Donc je Je sais pas pourquoi ils les ont mis un peu dans le désordre, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave, c'est pas important. Oui, donc alors, bah c'est parti, on va commencer le premier match face à la Colombie. Alors, à l'heure où je vous fais cette vidéo, bah le jeu vient de sortir aujourd'hui, et j'ai vu par rapport au calendrier, ça commence le 22 août, et j'ai vu que ça se finissait au mois de mai ou juin, je sais plus. Non, c'est mai. Hein. Voilà. Le 23 mai, pour être précis. Voilà, Ligue 1, PES, dernier match. Donc, on va pas s'attarder. On va passer directement. Voilà, donc. On va déjà voir au niveau des maillots. Et franchement, il est magnifique, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, les maillots, on est bon. Bon, alors, par contre, oui. La Colombie n'a pas de licence sur ce PES. Contrairement à PES 2019. Donc, j'ai fait le maillot comme j'ai pu. Oui, j'ai tout fait en 2 heures. Tout a été réglé en 2 heures au niveau des maillots et tout, parce que au niveau des équipes européennes. Donc je confirme qu'il y aura bien une cinquième ligue. Je tiens à le préciser. Je tiens à préciser également que les trois quarts des équipes européennes ont leur licence au niveau des maillots. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Mais on s'en bat les couilles. Putain, ça vous voyez que c'est la... Alors, moi ce que je fais toujours, je regarde un peu au niveau de la forme des joueurs. Donc Hugo Lloris en est bon. Lucas Hernandez à la place de Cadigne. Ben Yedder à la place de Karim Benzema. Et je vois pas d'autres points. Donc voilà, ça va être parti. Et c'est parti pour cette première journée de championnat. Alors je pense que pour la deuxième journée, je ferai l'équipe avant de vous prendre. Ah, voilà. Sachant que tous les matchs vont jouer dans la journée et tout. Vous allez me dire, est-ce qu'on aura des nouvelles de la Ligue 2, 3, 4 et 5? Ouais, mais en fin de saison. Désolé. Voilà. Alors, chut. La France est dans les starting blocks pour le lancement de cette nouvelle saison. Bienvenue pour cette première journée. Il y a eu bien sûr quelques changements pendant l'intersaison, comme toujours, vous me direz. Mais tout le monde est prêt pour la reprise du championnat. Ça nous avait manqué, comme à vous, j'imagine. Et vu l'ambiance qui règne dans les tribunes, je peux vous assurer que ça avait aussi beaucoup manqué aux supporters. Ce stade est superbe. J'espère qu'il n'y aura de pas se de retrouver dans copyright ce avec public. Telzin. Et voici l'hymne national de la France. Quelle émotion pendant ce premier hymne, écoutons le second. Alors, j'avais pensé un truc pendant les hymnes, je m'en rappelle plus du tout. Espoirs, et ça, c'est pour les deux équipes. C'est vrai Ah que oui, l'Europe semble ceux qui me demandent, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, évidemment. ils m'énervent à parler eux. Ça, c'est surtout Ceux qui me demandent pourquoi je n'ai pas d'autres pris un équipes qui patch, pourraient réellement bah être déjà en pour tout cas, avoir les vrais maillots, enfin, c'est le déjà cas de dans cette saison. le jeu vient de sortir aujourd'hui, donc il n'y aura pas de patch.
Et je vais pas attendre 106 ans pour avoir un patch. Et de deux, je suis sur Xbox One, ce qui fait que les patchs, on ne peut pas les installer sur Xbox One. Voilà, je tiens à le préciser. Voici le ballon officiel de la saison. Ah non, putain, commence pas avec ça, on s'en bat les couilles. Je sais y jouer quand même. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Allez, c'est parti, les amis. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match? Je vote hop, Antoine faute. Griezmann. Et ce sera une faute. Hop, hop, là, il y a faute, ouais. Déjà? 1-32. N'Golo Kanté. Ah, en même temps, c'est vrai que je l'ai fauché. Hein. Je suis arrivé comme un barbare. Alors, je suis pas en mode facile, hein, je tiens à vous le préciser, hein, au cas où ceux qui me demanderaient, parce qu'on sait jamais, ça peut arriver, hein, vous avez le droit de demander. Sinon, c'est plus drôle. Bah ouais, mais attends, je suis en train de tilter, je suis en train de regarder un truc là, mais c'est que si personne se place, on va pas y arriver. Hein. Le ballon dans la profondeur. Oh, le bon ballon. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Et franchement, c'est beaucoup mieux que sur la démo, parce que sur la démo, jouer un match en 5 minutes, c'est... Yep, y a rien de vraiment intéressant. Allez, deuxième. En 6 minutes, je me suis pris 2 biscottes. Oh. Intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Mathieu. Yep. Mbappé. Mbappé qui cherche à construire. La tentative. Oui, c'était puissant. Oh. C'est a été puissante cette frappe. Par contre, je tenais aussi à préciser par rapport aux hymnes nationaux, franchement, c'est moins fort déjà que à l'époque de... C'est un bon ballon, Griezmann. Il n'a pas pu se retourner face au but. À l'époque de PES 2019. Et c'est intercepté. Oh là là là, dommage. Et ceux qui me demandent pourquoi je me suis arrêté sur FIFA, bah il y a déjà une raison, c'est que oui, j'aurais pu continuer peut-être les saisons et tout, mais c'est pour me voir jouer et gagner des 6-0, 7-0, tout ça, c'est pas intéressant quoi. C'est... Pas beau celui-là. Il est pas beau celui-là. Il est pas beau celui-là. Ça c'est du professionnalisme mon frère. Et 1-0 Ben Yedder. Le monégasque. Mon gars, le lob ça fait 3 heures qu'il vient de passer. C'est maintenant que tu le sors. Et on revoit un peu ce but quand même. Je mets juste le premier. Hop là. David Ospina qui est battu. Et 1-0 pour l'équipe de France. Et je me suis quand même pas mal entraîné avec la démo. Christian Zapata. Oh, oh l'erreur, oh l'erreur, oh l'erreur. Sur cette intervention. Et... Ah, dommage. Aussi. Ah, oh, dommage. Ah, j'ai un peu paniqué sur ce coup-là. J'ai paniqué, mon frère, putain. Ah, c'est pareil, comme le jeu vient de sortir aujourd'hui, forcément, il n'y a pas de mise à jour au niveau des équipes, pardon. Ça fait donc 1-0. Ça va très vite sur le côté gauche.
Autour du gardien de jouer. T'as pu te planter, hein. Le gardien dégage, loin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et j'avais vu par rapport à la démo des joueurs qui se plaignaient. Et ça, moi, je leur donne entièrement raison. Il faut faire les bons choix. Mbappé, 2-0. Kylian Mbappé. Et je leur donne raison parce qu'ils se plaignaient de que l'arbitre sifflait beaucoup trop de fautes. Tu touches à peine le joueur, il y avait tout le temps faute. Et c'est vrai que c'était casse-couille. Et là, je suis d'accord pour dire qu'avec les joueurs qui se sont plaints, j'avais vu que Konami avait pris conscience donc de ce que disaient certains joueurs et tout. Et franchement, c'est pas plus mal parce que ça arrive des fois. Excusez-moi, mais enfin bon. Mais après, voilà, si donc du coup avec PES, je sais que les scores sont beaucoup plus serrés. Après, peut-être une petite absence au niveau de PES, comme chaque année. Les mains qui ne sont toujours pas sifflées. C'est fort, sur l'aile. Matuidi, reçoit le ballon. C'est fort, effectivement. C'était trop. Ah oui, mais ça c'est bon. Eh, hey, mon frère, tu me l'as déjà... Il l'a déjà dit dans la démo. C'est vrai que par rapport à la démo, ça fait plaisir de jouer enfin avec d'autres équipes que toujours les mêmes, Manchester, la Juve, le Bayern. Il y avait faute, non? Je sais pas. Kanté qui est récompensé de son pressing. Griezmann. Il continue de progresser. La passe dans la profondeur. L'interception, c'était chaud. C'était chaud. Arias. C'est vrai que ah ouais, contrôle de merde. Bien. Merci monsieur l'arbitre. Hop, 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 hop. Elle a été déviée. Free kick. Ce sera une remise en jeu. Hop, hop, hop. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Je trouve que le score reflète finalement bien la physionomie du match. Et si les joueurs parviennent à mettre la même énergie en seconde période, on a du mal à voir comment la victoire pourrait leur échapper. Bien sûr, bien évidemment. T'es parti, mon frère. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. En fin de camp, il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Allez. Ah putain, c'est ma faute. Falcao. Allez, dégage, donne-moi le ballon. Peut-être une occasion pour James Rodriguez. Merci. Ce sera un coup franc, bien sûr. Hein ? Mais je l'ai pas touché. Mais pourquoi tant de haine ? C'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ah, hors-jeu ! Hors-jeu. Ah, je m'en doutais. J'hésite. J'aurais pas dû. J'ai hésité, j'ai pas dit. J'aurais pas dû. C'est la life qu'on préfère. Pardon. Griezmann, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Matuidi. Il y a de l'espace là. Bien joué ça. Oh. Quel fait du bien cette interception. Peut-être une occasion pour Falcao. Oh, c'est un choc mon frère. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Dans la profondeur, bien vu. Ah oh, dommage. Ah, tu m'entends qui gratte.
Tu me diras, tant que c'est pas le cul. Il cherche la profondeur. Ah putain. Ah, il y avait hors-jeu. Trop de prépistation. Oula. C'était dur à dire. Il se dégage. C'était plus du marquage, c'est du harcèlement. C'est pas étonnant vu ce qu'il a déjà fait. Ah merde. Putain, je me suis planté comme un bœuf. La France mène toujours 2-0. Ramez Rodriguez. Bien repoussé par le gardien. Il a pas sifflé la faute. Une façon de faire briller le gardien. Ouais, c'était pour le gardien, c'était à prévoir. Le gardien loin devant. Il ne laisse rien passer. Encore une interception. Ça peut partir en contre. Oh, le bon ballon. Oh, dommage. Tout près sur ce contre. Alors là, bravo au défenseur. Il fallait l'oser ce geste. Et surtout, il fallait le réussir. Bonne intervention, il y avait danger. La frappe, attention. Oh, sortie, ouais. Corner kick. Je connais. Bah, dommage. A été bien haut, mais. Un peu stérile, il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Merde. Voilà ce que c'est de jouer vite. Arias. Et mon Blaise. Ça joue long vers l'avant. Il était bien présent. Griezmann, il est lancé sur l'aile. C'est dégagé, très long. C'était à prévoir qu'il ne l'avait pas. C'était encore à prévoir. Ah, en passant. Oh putain, 74ème, j'ai pas vu. Créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Pause, plan de jeu, remplacement. Oh putain, Ben Yedder, il est mort. Benzema, hop. Allez, Kylian, tu sors. Ousmane, tu rentres. Deux remplacements. Avec Dembélé. Grosse occasion. Bien vu. Ça peut être extrêmement dangereux. Oh, voici James Rodriguez. Va-t-il en profiter? C'est quel ballon? Je voyais rien. Le bon dribble. La longue passe. Merde, putain. Oh, t'aurais pu te planter, mon frère. Pour toi, je dis rien, enfin, c'est plus pour moi, quoi. Voilà, moi, ça me donne un troisième but. Il cherche son coéquipier, c'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Quel timing dans l'interception! Putain. Et ouais, quel timing! Titi, belle intervention! Ça va vite? Comment je te l'ai mis dans le vent, ce bâtard? Touche pour nous. Donne la balle. Attention, ça pouvait créer le danger. Griezmann. Il écarte, ça joue long. C'est Pogba. Et cette tête! Nouveau but. Karim Benzema 3-0. 3 buts d'avance.
Joker. But marqué par un remplaçant. Un centre parfait, une tête réussie, c'est simple comme ça le foot. Voilà, ça c'est simple comme bonjour. Une bonne dose de conviction et ça me donne un but. C'est rare quand j'en fais une que je commence vraiment par une victoire, donc en plus 3-0. Mais bon, j'espère qu'il va pas me faire mentir hein, quand je dis ouais. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Christian Zapata. Il faut faire la différence. Bon après là, c'est vrai que c'est la Colombie. Oh putain, je l'ai pas vu. Benzema. Et il cède sous la pression. Benzema. Ouf. Quel arrêt! Et c'est la fin du match! Voilà, le message est passé pour tous leurs adversaires. Ils semblent forts en ce début de saison. En tout cas, ils débutent par une belle victoire. Alors dites-moi, dites-moi. 1-0, 3-0. Première victoire. Ça va les mettre en confiance pour le reste. Bon! Eh ben, 3-0. On va voir au classement à combien on est de. Bon, on a 3 points. Donc, on va. La première journée, hein, Chili bat l'Espagne 1-0, Portugal-Uruguay 0-0, Pays-Bas-Danemark 1 partout, pardon, Pérou-Mexique 2 partout, l'Argentine va battre la Suède 1-0, Belgique bat la Pologne 4-1, Suisse-Brésil 0-0, donc France bat la Colombie 3-0, Allemagne-Italie 1 but partout, et enfin l'Angleterre qui bat la Croatie 2-0 au classement. La Belgique prend la tête du championnat. Avec ses 3 premiers points, suivi de la France, Angleterre, Chili, Argentine avec 3 points. Suivent par la suite le Mexique, Pérou, Pays-Bas, Italie, Allemagne, Danemark, Portugal, Suisse, Brésil, Uruguay avec un petit point. Et enfin avec un 0 pointé, l'Espagne, la Suède, la Croatie, Pologne et Colombie. Voilà, donc les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour la prochaine journée face à la Suisse. En attendant, restez chaud patate. Bye bye. Yeah.
Ouais.